D'abord, le... Vas-y. Le bus voulait dévier d'abord une voiture. Il y a une femme qui était dans une voiture noire. Et c'est dans ça, en voulant sauver lui. En voulant sauver la femme. Il est rentré. Et puis, la faute, c'est pas lui, c'est le gouvernement aussi qui est dedans. Parce que les bétons qu'ils ont fait, il n'y a pas du fer dedans. C'est ça qu'il a fait. Il n'y a pas du fer dans les bétons. Donc, dès qu'ils ont coincé, ça a cédé directement. Comme c'était des ciments. Donc, dès que c'est rentré, comme on était derrière, on était déjà vers les fenêtres. Et puis, ça a tapé quand même les choses, les bétons. Donc, ça a pu casser les brises. Donc, on a commencé un peu à nager. On est sorti d'abord. Et puis, Dieu merci, il y a les pinasses de Abobo Doumé là, qui étaient là. Donc, on a nagé. Moi, particulièrement, il y a nagé, c'est-à-dire sur la pinasse. Il a pris les choses de sécurisant. Deux. Pour rentrer quand même dans l'eau. Pour rentrer dans l'eau encore. Parler sur... Il y a deux femmes qui se. Il y a une femme qui se noie. Il y a une qui savait nager, mais elle est embrouillée. Donc, on avait sorti. J'avais sorti les deux femmes. Et lorsque on avait sorti, il y avait sorti les deux femmes. Il y a demandé à ce qu'on appelle ça va pomper. Pour après, ils ne sont plus restés. Ils ont prêté une finance pour aller à chose à propos de Doumé. C'est là-bas qu'ils sont venus. Tout en croyant qu'ils sont en train de lever les gens de l'eau. Ils viennent constater, c'est maintenant qu'on dit tapage, le ministre, le président. C'est pas ça qui m'importe. On va sauver. Même s'ils sont morts, on va les sauver. Merci.